Le son c'est comment? Ouais, bon, le son c'est dinguerie, elle est obligée, tu le sors, wesh. Bon, non, le son il est énervé de ouf, surtout là, le refrain kické, c'est une dinguerie. Le refrain, franchement, j'ai eu une dinguerie, j'ai dormi, j'ai reçu le refrain direct. Mais et le couplet c'est comment? Vous avez bien aimé, non? Juste, tu rajoutes un peu d'autotune, je pense qu'il est parfait. Ah, autotune, moi j'ai un problème d'autotune. Ah ouais? Essaye, hein, c'est ce qui se fait aujourd'hui en vrai de vrai. T'es obligé de passer par là. Il est obligé en vrai. Ouais, c'est ça, c'est bien l'autotune. Ouais, c'est ça. Essayez. Vas-y, on essaie l'autotune. Vas-y, carré, y'a pas de soucis. Vas-y, chaud. Mais tu mets ça dans le mix direct? Ouais, direct. Vas-y, carré. Ouais, mais en fait, 2C, c'était comment la recette? Ça va aujourd'hui, hein? J'ai rien. Chiffré par rapport à hier. Ouais, c'était mieux qu'hier. Ouais, j'ai vu, y'avait plein les Yankees. C'est beau. Je pense que c'était plus des gros clients en fait. Ah ouais? Y'avait pas beaucoup de... Ouais, mais y'avait pas les mêmes têtes qu'on voyait d'habitude. Ouais. Ouais, c'est bien carré. Carré. Ça fait plaisir. Et par quoi on vient en parler? C'est comment mes thunes? Comment ça c'est comment tes thunes? Non mais vous êtes là, vous faites galérer les gens. Eh, j'ai pas votre temps moi, je vous ai déjà dit, j'ai pas votre petit. Je t'ai dit j'avais des problèmes. Ouais mais vos histoires c'est pas mon histoire. Vas-y, tu sais quoi, tu fais les choses bien et règle ça très vite. Vas-y, pas de problème. Vas-y. C'est comment, t'as rendu tes sous? On n'a rien rendu. Mais tranquille, je gère. Wesh, comment ça, wesh? Eh, frère. Eh, ça fait combien de temps il doit des sous? Frérot, je suis pas un chien. Moi, tu m'envoies et tu dis juste un mot, j'arrive, je le démarre. Et moi, je l'aime pas, frère. Ouais, ça chie, t'inquiète. Mais moi, je gère le bail. Eh, je suis pas un petit. C'est-à-dire, il va rien faire. Mais dis-moi, moi, j'y vais direct. Oh non, j'y vais direct. Il va rien faire, t'inquiète pas. Sinon, toi, dossier, tu dis quoi, toi? Moi, je m'en fous, en fait. Wesh, depuis, se fout de lui. Eh, mais je m'en fous. Faut juste qu'il rende l'argent. Comme ça, on est carré, mais au niveau des tubes. Parce que là, c'est n'importe quoi. Au niveau du mois dernier. C'est avec lui, c'est à cause de lui, frère. Là, c'est tout, là, faut juste qu'il rentre ça, c'est carré, après on s'en fout. Mais vas-y, tranquille. Vas-y, tranquille. Ne t'occupez pas de ça, je vais gérer. Je fais rien. Tranquille, fais rien. Vas-y. Je vais gérer. Moi je suis d'accord avec elle. Toi aussi, genre, tu l'as. T'as vu, on est d'accord. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais. Moi je suis pas d'accord parce que je sais pas, genre, tu pries ton Dieu, il prie son Dieu. Ouais, mais on arrive à s'entendre, ça va, genre. Tu sais, Dieu il peut permettre qu'elle puisse l'évangéliser en fait, tu vois. Donc, oui, il peut toucher son cœur pareil. Voilà.
Non, moi je suis d'accord avec elle, franchement. Donc, non, en plus il vient peut-être dimanche chez toi à l'église, franchement, ça va le faire. Mais qui te dit pas il vient par amour? Parce que tu veux pas, on se convertit pas par amour, on se convertit vraiment parce qu'on a été touché par, par le Seigneur en fait. Ouais, mais le Seigneur il peut le toucher. Hein. Moi je vais toucher tout de suite. Moi je me dis Dieu peut le toucher en fait. C'est comme elle est pas venue à Christ comme ça. On est bien d'accord. Et mais à tout demain maintenant, le gars il se convertit pas. C'est comment? Ah si. C'est déjà, vous êtes mariés. C'est négatif. Il a des comportements bizarres, il prie en cachette son Dieu. Ouais. Tu vas faire quoi? Il essaie d'être tard. Hein. Négatif, ouais. Elle a raison. Est-ce que j'ai franchement aussi la prière? Moi j'ai foi. Moi j'ai pas autre relation. Moi je crois en la relation, hein. C'est pas grave. Je suis même avec elle. T'as vu? Ça peut marcher en fait. Elle est trop négative. Et franchement, moi je la comprends pas. Mais c'est un musulman. Et alors? Mais oui, c'est ça en fait. Mais il y en a qui sont n'importe quoi. Oh là là. Non, t'en fais pas, ça va le faire. En tout cas, priez bien. C'est sûr qu'à se convertir parce que. Et c'est bizarre, moi je le vois traîner en bas de la cité. Le gars il a pas trop l'air d'être un mec qui veut se convertir. Hein. Ouais, mais vas-y, j'essaie de lui dire d'arrêter tout ça. Il stoppe un peu et tout. Regarde des histoires comme ça. Il n'y a pas longtemps, il s'est fait interpeller par la police, franchement. Ouais, je sais pas. Mais vas-y, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Le gars tous les jours il est en bas des bâtiments. Je le vois, il bibi. Tu me dis c'est exceptionnel. Ouais, mais j'essaie de lui parler. Il a envie de changer en vrai. Franchement, arrête de parler, arrête de. Et Dieu va agir. Franchement, ça sert à rien. Toi, tu mets des trucs. Toi, tu verras déjà là, tu verras. Voilà, c'est chaud. Continue à intercéder. Moi aussi, je commence à douter de votre foi. Quoi? Mais tout est possible. Franchement, moi, je pense pas qu'il va se convertir. Il est musulman. Il ne partage pas la même foi. Je sais pas, il est encore dans la cité. Ah, salut, ça va? Ça va et toi? Comme ça, je peux que bien aller. Ça va. Ça va? On va lui poser la question. Alors, t'en penses quoi des relations entre chrétiens et musulmans? C'est ça, vous toujours les mêmes discussions. La Bible elle dit quoi? Elle est simple. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Point. C'est tout, la Bible dit ça, donc on le fait. On ne se met pas sous un joug étranger. Pourquoi? Imagine, tu te maries avec un musulman par exemple. Lui va prier Allah et toi tu vas invoquer le nom de Jésus. C'est pas normal. Tu vas dire oui, oh, mets le voile. Oh, ne mange pas de porc. Tout ça, c'est pas biblique. Amen. Bah, tu peux faire grâce. Hein. Mais comment ta vie va glorifier le Seigneur? Non, la Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger, point, c'est fini. Soyez christocentrique. Faut pas aller dans tes pensées, oui, moi je pense que non. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est tout. Si la Bible dit non, c'est non. Tout simplement. On va vous laisser. Amen. Hein. Pas de soucis. Rentrez bien. Rentrez bien, les filles. C'est dingue, hein. Là, tu fais des trucs avec le mec. Ça, c'est bizarre, hein. Hey, t'en fais pas pour ça. Hey. C'est rien de sérieux, il n'y a rien de sérieux entre nous. Ça amuse en fait. Tu vois, c'est quand même le gars de ta copine. Ouais, mais principe, c'est pas grave. Et puis, est-ce qu'elle va le savoir? En plus, avec toi, elle va se convertir. Je t'aurais prévenu en tout cas, c'est bizarre. Ok, c'est bien bizarre. Tu quoi depuis? Ça a duré un temps. Je sais pas, ça fait un moment, on s'est pas vu, non? De ouf, tu m'esquives. Depuis la dernière fois, je t'ai invité à l'église, on dirait que tu réponds plus à mes appels et tout. Non, mais je t'avais dit que j'allais venir à l'église. Ah, mais tu viens quand? Attends, laisse-moi le temps, tu connais, j'ai des trucs à faire le dimanche des fois, et puis avec la mosquée et tout ça, je suis un peu fatigué. Ouais, mais la mosquée, c'est vendredi, l'église, c'est dimanche. Ouais, c'est vrai. Mais en parlant de temps, ça fait un moment qu'on se connaît, toi et moi, non? Ouais, ça fait 2 ans. Ah ouais, ça fait quand même 2 ans, tu penses pas qu'on pourrait se connaître un peu plus, genre? On se connaît déjà. Non, mais je sais pas, par exemple, j'ai jamais vu chez toi, par exemple. Ouais, mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que moi, pourquoi je t'emmènerais chez moi, en fait? Bah, je sais pas, on pourrait regarder un film, sur Netflix, tout ça. Hein. Moi, c'est contraire à ma conviction. Tu sais très bien que Dieu, il a une place importante dans ma vie. Et c'est pour faire quoi, en fait, là-bas? Tu connais, toi et moi, on a le même Dieu. Donc, non, on a le même Dieu. Je pense que Dieu est d'accord avec ça. Non, il est pas d'accord. Faut que tu viennes me marier, faut que tu viennes devant mes parents, que tu m'honores. C'est pas comme ça. Ouais, c'est... après c'est une question de temps aussi. Mais le temps, tu l'as. Bah, je pense qu'il faudrait peut-être apprendre à se connaître un peu plus avant de... On peut se connaître après, si tu m'aimes réellement. Tu viens demander ma main et puis on pourra se voir. Oh, vas-y, je comprends. Ouais, c'est qui t'appelle? T'inquiète, c'est un grand de ma cité, vite fait, je réponds. Ouais, pourquoi tu m'appelles? Ouais, je t'appelle parce que vas-y, j'ai envie de te voir, je sais pas. Non mais là je suis avec Mélissa là carrément. Sérieux, mais viens me voir quand même, genre je sais pas. Ah, là je suis en train de parler vite fait avec elle, ça veut dire. Pourquoi t'es où là? Bah là je suis à côté.
Même pas, je suis à côté de chez toi là. Qu'est-ce que tu fais en bas de chez moi? Bah, je suis venue te voir. Non, vas-y, vas-y. Mais c'est pour faire quoi? T'es pas content? J'étais comme une petite surprise et tout, je viens de voir, t'es pas content. Pourquoi tu me parles comme ça? Ben voilà. Vas-y, hein, vas-y, bah vas-y, j'arrive. Vas-y, ok. Appelé. Non, tu connais, c'est un grand de ma cité, vite fait. Il m'avait appelé pour un plan sous, il fait de la musique. Ouais, mais je t'avais pas dit d'arrêter avec ça, les trucs de cité et tout. Non, si, mais t'as capté, là, c'est juste un petit truc, c'est vite fait, ça. C'est... Tu sais très bien où ça emmène, hein. À force de continuer comme ça, tu sais où ça te mène. Ah non, c'est vrai. Mais bon, là, je dois aller le voir en ouais, vraiment, vite fait. On devait sortir, là. Ouais, on devait vrai, aller et... manger et tout. C'est toi qui te plains de, ouais, on se voit pas et tout, et là, tu sors. Ah, mais tu connais, là, vraiment, c'est vraiment une dernière fois, après, vas-y. Tu connais, j'arrête. T'abuses. Moi, j'en ai marre, j'en ai marre de tes trucs, non, je vais rentrer à pied. Vas-y. Vraiment venu? Ben bien sûr, je suis venu, tu vois, je rigolais ou quoi? Non, mais moi je pensais pas que t'étais vraiment en bas de chez moi. Bah ouais. Bon, on y va? Vas-y. Bonjour Espo, je reviens vers toi en fait par rapport à la...